viennent de Trappes, de Lille, de Rochefort et de Bordeaux. La plupart de ces collégiens découvrent Paris pour la première fois. L'Arc de Triomphe, il est énorme. C'est pas comme un Rochefort. Hein. Ah non, c'est sûr. Non. Oh, il y a le tapis rouge. Ça, c'est pour qui, ça? Ils vont s'affronter lors d'une grande finale d'improvisation théâtrale. Moitié art, moitié sport, l'improvisation est avant tout une école de la vie. Issus de tous les milieux sociaux, ces jeunes vivent dans des banlieues classées en zone d'éducation prioritaire. Rien ne les prédestinait à monter un jour sur scène. Ça claque! Jamel Debbouze est l'invité d'honneur de cette finale. C'est lui qui va remettre la coupe au vainqueur. Il y a 25 ans, il était à la place de ses collégiens. Merci, merci, merci. En tout cas, vraiment, ça me rappelle quand j'avais votre âge. C'est la première fois que je me rends compte que j'ai pris de l'âge un peu. Ça y est, ouais, je suis passé de l'autre côté. Je suis maintenant spectateur, mais... juste avant de remettre le prix, moi j'aimerais bien refaire une petite impro pour voir. Allez, non, il y a un maillot qui traîne. Ok. Pas de panique. Pour l'occasion, improvisation mixte. Papy, le coach de ses débuts, joue l'arbitre. Le blog du voisin. Vérificateur de réseau. T'es pas en okay. Apparemment, il y a deux personnes qui sont en train de télécharger des choses intéléchargeables. C'est pas nous, hein? C'est pas nous, non, c'est pas nous, c'est pas nous. Vous avez votre cas? Tac. Ça, c'est un faux, ça. Vas-y, la crise. Tu t'es de la gueule du monde? Merci, Jamel. Et encore bravo, Alpha. Tout a commencé à Trappes, en banlieue parisienne. Le premier collège à avoir expérimenté l'improvisation théâtrale, c'est l'établissement Gustave Courbet. À la fin des années 80, à Trappes, la culture est laissée en friche. Un homme refuse cette fatalité, Alain Degois, dit Papy. Cet éducateur va découvrir que l'impro peut faire des miracles auprès des gamins de banlieue. Je suis rentré dans les collèges avec la volonté de mettre l'impro au cœur de Trappes. Et donc je rencontre des profs qui deviennent aussi mes partenaires au sein de chaque collège. Et d'un seul coup, à la rentrée de septembre 89, commencent les premiers ateliers dans chaque collège de la ville. Très vite, la jeunesse de Trappes défile dans ces ateliers. Je prends les gamins qui sont là et je découvre qu'effectivement cette pratique-là a des vertus incroyables d'ouverture à l'autre et effectivement elle fait sens. Elle fait sens dans ces territoires parce qu'elle s'ouvre aux autres et il n'y a pas de renfermement, il n'y a pas de repli communautaire. L'impro, elle est là sur toi en tant qu'individu, qu'est-ce que tu as à donner à voir? Quand tous ces gamins qui sont, se retrouvent là, ils ont à construire un patrimoine culturel commun. Et à partir de là, il va se passer des choses fabuleuses. Le premier signe du destin va avoir lieu en 1991. Papy, à l'époque punk et svelte, rencontre un petit collégien de 14 ans, Jamel Debbouze. Une catastrophe, la première rencontre avec Jamel. Pourquoi une catastrophe? Parce que moi, je suis en train de mener un atelier. Je m'évertue à faire passer toutes ces belles valeurs de l'improvisation théâtrale. Et ce couillon, il est au-dessus de moi, sur une passerelle, en train d'invectiver les gamins qui jouent, d'envoyer des vannes, de nous vanner. Donc à un moment, ça me gonfle. Donc je lui dis, écoute, au lieu de faire le couillon là-haut, descends et on va voir ce que t'as dans le bide. Là, il est coincé, il est obligé de descendre parce qu'autrement, il perd la face. Donc comme c'est un gamin comme tous les autres, je veux pas perdre la face, il est descendu. Il s'est mis à faire 2-3 impros, et là, il était foutu. Le virus était dans sa peau. Immédiatement, le public est séduit par l'humour instinctif de Jamel.
et son sens unique de la répartie. Il n'a jamais oublié d'où il vient. Et quand il me dit, papy, j'ai eu la chance de faire de l'impro avec toi, j'ai eu la chance de faire des matchs d'impro, ça m'a amené là où je suis, c'est pas possible que dans ce pays, il n'y a pas... Je veux qu'il y ait d'autres gamins qui puissent avoir cette chance-là. Il faut qu'on mette ça au cœur des collèges. Il faut que ce que tu as fait là, on le fasse dans tous les collèges de France et de Navarre. Et c'est là, Jean-Michel, que j'entends parler de la Fondation Culture et Diversité. Waouh. Culture et diversité, ça c'est un blaze. Ça c'est un vrai nom, je te jure. Je me suis dit tout de suite culture et diversité, c'est magnifique pour défiscaliser ça. Oui. Ce jour-là, sur la scène du théâtre du Rond-Point, Jamel raconte sa première rencontre avec le créateur de la Fondation Culture et Diversité. Il est inattaquable, le mec. Culture et diversité, il fait ce qu'il veut. Je dis, je veux absolument le rencontrer. Comment il s'appelle, le mec? On m'a dit Marc Ladré de la Charrière. J'ai dit, ils sont combien, les mecs? Il dit, non, il est tout seul, il se fera un plaisir de te recevoir. Hop, j'arrive chez lui, je frappe, c'est lui qui ouvre tout de suite, sûr de moi. J'avais répété, bonjour, monsieur Marc Ladré de Marche Arrière. Lui, imperturbable, la classe internationale, la classe éducationnelle, il m'a fait aucune remarque. Rien dit, je rentre, il me dit, bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation. Assoyez-vous, prenez vos aises. Enfin, il m'a tellement vouvoyé que quand je me suis assis sur le canapé, j'ai l'impression qu'on était plein. J'étais heureux, j'étais bien, il m'a dit, faites comme chez vous, j'ai enlevé mes peupons. Je dis, amène-moi une bassine d'eau chaude. Non, il m'a mis à l'aise, il est décontracté, et puis on a commencé à discuter. Bon, on s'est tout de suite apprécié, et tout de suite, on a sympathisé parce que On défend des valeurs communes. Favoriser la cohésion sociale par le biais de la culture. L'égalité des chances. Par le biais de la culture. Par le biais de l'art. Ouais, ouais. Amener l'art, la culture de l'art dans les zones d'éducation prioritaire. Magnifique. Un chef d'entreprise qui réussit, il doit aussi se mettre au service de la cité. Et se mettre au service de la cité, c'est pas uniquement faire du blablabla, hein, mais c'est aussi y mettre de l'argent. Et là, il me raconte son rêve. Il me dit, j'ai un rêve. Un rêve incroyable. Le rêve, c'est que tous les collèges d'éducation prioritaire puissent avoir la possibilité de suivre des cours, des matchs d'improvisation théâtrale. Et quand on considère que la mission d'improvisation théâtrale permet l'épanouissement de jeunes et deuxièmement permet à cette société d'être plus harmonieuse, alors, à ce moment-là, on ne parle pas, on décide d'agir. Mais pour bien agir, il faut commencer par parler. Ce jour-là, dans les locaux de Fimalac, Marc Ladré de la Charrière a réuni Jamel et Papy. Papy, il faut que tu nous dises quels moyens humains il vous faut, et après on les chiffre. Nous, ce qu'on leur demande, c'est nous donner des salles, nous donner... L'objectif, établir un plan de bataille pour étendre l'improvisation à d'autres collèges en France. Et si je me permets de rêver à ça et de penser à ça, c'est parce que c'est parce que t'es pas loin, tu vois. Oui, mais je comprends. Mais je suis d'accord. Avec ce téléphone, hein, tu peux faire des miracles. Mais c'est pour ça qu'il est toujours en lumière rouge, tu vois, en permanence. Aujourd'hui, grâce à la fondation de Marc Ladré de la Charrière, 12 collèges en France proposent des cours d'improvisation théâtrale. Et c'est à Bordeaux, dans l'un de ces collèges, que nous avons choisi de nous installer. Plus précisément, dans les quartiers nord de Bordeaux. Classé en zone d'éducation prioritaire, le collège Auguste Blanqui accueille 240 élèves issus de tous les milieux sociaux. On dit qu'il a un point de vue objectif. Ce jeudi soir à 17h, alors que la plupart des élèves se pressent de quitter l'école, allez, on y va, c'est parti. Une dizaine de volontaires se rend au premier cours d'impro de l'année. Et tout commence par des échauffements. Gauche, droite, pom, 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 pom. Gauche, 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 pom, 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 pom. Adi, pom, Adèle, pom, Mathilde, pom, 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 pom. Cédric, le formateur, est aussi comédien. Non mais j'ai un nouveau jeu, on va le tester. J'ai un nouveau jeu, en cercle. Une heure par semaine, il initie les acteurs en herbe à l'impro. En improvisation,
Il faut de la concentration. Si vous n'êtes pas concentré, vous ne pouvez pas jouer. D'accord ? Ensuite, il faut de l'énergie. Si vous n'avez pas assez d'énergie, vous n'êtes pas prêt à avoir des idées, vous n'êtes pas prêt à jouer. Et ensuite, il faut de l'écoute. L'écoute, c'est une notion. Par exemple, on écoute avec les oreilles, mais la notion d'écoute, ça veut dire qu'on peut aussi écouter avec les yeux. Avec les yeux. D'accord ? Tu n'as pas besoin de me parler pour savoir, pour que je sache que tu es une fille. Allez, vas-y, t'es Superman. Dans ces cours, tous n'ont pas le même niveau. Certains ont démarré l'impro dès la cinquième. D'autres découvrent cette étrange matière pour la première fois. Vas-y, à fond dedans. Je veux que tu sois en boîte et à fond dedans. Macarena. Ben, tu vois que tu l'as fait, on peut l'applaudir, c'est très bien. Alors, est-ce qu'elle a été ridicule ? Non. Quand il va et que t'es à fond dedans, automatiquement, les gens, ils aiment bien. Et en plus, souvenez-vous que les gens qui vont vous regarder en improvisation, le premier truc qu'ils se disent, eux, c'est comment ils font, je pourrais pas faire ce qu'ils font. Oui. Attention, action de départ de 30 secondes. Oui. Top. Le plus difficile en improvisation, c'est de créer une histoire. Dans cet exercice, un élève entre en scène sans texte, sans décor, sans accessoires. Il mime un personnage, une situation qu'il doit faire comprendre aux autres. Ok, qui a une idée pour aller jouer avec lui là ? Personne ? Ok, alors je sélectionne, c'est parti. Top, à toi. Au tour d'un autre comédien d'entrer en jeu et de faire évoluer l'histoire. Waouh ! C'est très impressionnant. Mettez-vous à côté, s'il vous plaît. Voilà. Tu as des poils. Ça te dirait que je te les écris. Allez, on y va. Doucement, surtout. Hein. C'est parfait. Voilà. Top ! Ok, on peut les applaudir. Là, il n'y a même pas besoin d'avoir d'idée, parce que Adi, il te fait toutes les propositions. Il te fait tiens une idée, tiens une idée, tiens une idée, tiens une idée. Tu vois ? Et toi, tu les prends pas. Toi, t'as fait ça. Non ? Non ? Moi, je tombe sur une joueuse comme ça, je me dis ah, tranquille, elle va rien proposer, j'ai juste à faire mon petit comique. Et c'est ce qu'il a fait. J'ai fait son petit comique et ça fonctionne. Ok, très bien. Allez, quelqu'un d'autre ? Le petit comique, c'est Adi. Il est en troisième et a 14 ans. Il habite à deux pas du collège. Ramata, sa maman, est mauritanienne. Elle rentre souvent au pays pour son travail. Adi est le petit dernier de quatre enfants. C'est pour eux qu'elle a choisi de s'installer en France, il y a 8 ans. J'ai décidé de venir en France pour vraiment m'occuper de la scolarisation de mes enfants, surtout ça. J'ai préféré privilégier les études de mes enfants. Et à l'école, ça se passe comment ? Il est très intelligent, d'après tous les professeurs. Tous les professeurs disent que Adi est très intelligent, mais Adi bavarde. C'est pas bien. Adi a démarré le théâtre en sixième. Pendant un an, il a caché sa passion à sa famille. Une dame que je connais, il m'a dit un jour, tu sais que ton fils, il joue bien le théâtre. J'ai dit, ah bon ? Il me dit, oui. J'ai dit, oui, il ne m'a jamais dit qu'il faisait du théâtre. Il me dit, ah bon ? Je dis, oui, jamais. Mon histoire commence quand j'avais 7 ans et mon frère 11. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Ça va bien ? C'était la première fois que je le voyais sur scène. Adi qui est timide. Voici mon papa. Vraiment, j'étais très émue. J'étais très émue. Et il y avait tout le spectacle qui était là, qui était fier de lui, qui me faisait des câlins partout, des bisous partout, partout. Vous êtes la maman d'Adi ? Je dis oui. Oh, qu'il est sympa. C'était génial. C'est quoi ce que tu préfères dans l'improvisation ? Mais quand j'entends les gens rire, ça me donne du plaisir à les faire encore plus rire.
j'aime bien aussi jouer avec mes amis. On s'entraide pour construire des histoires. S'entraider pour construire une histoire, c'est une des valeurs essentielles de l'impro. Je brevise. Prêt. Servante ! Servante ! Je déteste me répéter, fils. Servante ! Et les plus expérimentés, comme Adi, aident les débutants. Que veux-tu manger, fils ? Vas-y. Vas-y, c'est possible d'avoir du... Ouais, ouais, vas-y. C'est possible d'avoir du canard ! Voilà. On ne peut pas faire une improvisation si je ne joue pas avec l'autre en face. Donc c'est la rencontre. C'est je t'écoute, j'ai une idée, est-ce que tu veux bien jouer avec moi ? Ou tu as une idée, je vais jouer avec toi et ensemble on va créer une histoire. Donc c'est de l'écoute. Le Minotaure est ton frère. Quoi ? Oui, je me suis reproduit avec un taureau. D'accord. Non, c'est une blague ? Non. Ensuite, ce qui est très bien aussi, ça permet de travailler les différences. Par exemple, la relation fille-garçon. Ça, dans une improvisation, à un moment, ils sont obligés de jouer ensemble. On avait vu une fois, on avait fait un exercice où ils étaient obligés de se dire « je t'aime ». C'est hyper compliqué à leur âge de pouvoir passer au-dessus de tout ça, la relation entre une fille et un garçon. Là, ils peuvent la mettre en place et ils savent que c'est du jeu. Anan, oui. Regarde Adèle droit dans les yeux. Et tu lui dis, je t'aime. Hey, Adèle, t'es mal. Vas-y. Adèle, je t'aime. Non. Hey, non. Merci, Catherine. OM. D'accord. Adnan, je t'aime. Est-ce que je suis vraiment amoureux d'Adnan? D'accord. On fait du théâtre, c'est pas vrai. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Voilà. Vas-y, Tarek. Je t'aime. Vas-y. Je t'aime. Voilà. Comme le miel. Allez, Arthur. Je t'aime. Je t'aime. Cet exercice est difficile pour tous à cet âge. Au fond de la classe, il y en a une qui aimerait bien se faire oublier. Samira, tu te lèves. Yes. Vous vous regardez droit dans les yeux ? Non, ça va aller. Hé, hein. Hé, non, 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 non. Hé, c'est du théâtre. C'est pour passer au-dessus de ça que je fais ça. Vous vous prenez par les mains. Vas-y, Samira. Samira, tu regardes droit dans les yeux et tu lui dis avec amour, je t'aime. Mais non, c'est lui. Il va le faire juste après. On perd pas de temps, allez, vas-y. Allez. Je t'aime. Je t'aime. Non, non, c'est pas, je t'aime. Avec amour, je t'aime. Je t'aime. Regarde-le. Regarde-le. C'est moi. Vincent. Oui. Regardez-vous. C'est bon ? Vas-y, Vincent. Je t'aime. Merci. Très bien. Voilà. Allez, c'est bien, on peut ranger les chaises. En démarrant l'impro il y a 3 ans, Samira était d'une timidité maladive, même avec ses copines. Jouer des sentiments devant ses camarades, c'est toujours une épreuve pour elle. Mais aujourd'hui, grâce à l'impro, Samira n'est plus la même. Ça m'a apporté de plus être timide. Parce qu'avant, j'étais timide avec tous mes amis. Enfin, je restais avec eux, je faisais rien, quoi. Je parlais pas. C'était comme si j'existais pas. Donc, ça m'a permis de plus être timide avec mes amis, de pouvoir plus parler en classe. Parce que là, je suis carrément plus timide. Je participe beaucoup en classe et tout et tout. Ça m'a permis beaucoup de choses. Samira vit dans un 3 pièces. En HLM, avec Neza, sa maman marocaine, sa grande sœur et son petit frère. Dans le salon familial trône le portrait du grand absent, Abdelkader, le papa de Samira, décédé en 2012. C'est ton papa là. Regarde. T'es belle. Hein? Ouais. Mmh. Là, j'étais trop mignonne. Elle, on dirait ici. Elle t'a déjà vu jouer, ta maman ? Non. Non. Pourquoi ? Parce qu'elle vient pas. Mais elle peut pas. Et t'aimerais bien qu'elle te voie jouer ? Non. Non. Pourquoi tu y dis, je viens pas ? Mais pas, ça fait honte. Non. Pourquoi ? Mais je viens devant toi, de jouer. Envie.
Donc t'es encore timide un peu? Non, mais je sais pas, j'ai honte si elle me voit jouer. Et devant les gens, t'es pas timide? Non. Tu sais, on est timide, on peut rien faire, on n'ira pas le jouer. En atelier, un élève a plus de difficultés que les autres. Arthur découvre l'impro cette année et a du mal à jouer un personnage. Ses interventions sont souvent maladroites. Quoi? Tu vas me donner, je crame. Garde ton espace, reste là. Vous êtes en train de traire un taureau. Comment? Plus fort! Vous êtes en train de traire un taureau. Je suis le plombier, je vais réparer ta douche. Pause! Je suis le plombier, je vais réparer ta douche. C'est pas du tout de la comédie! Quoi? Et elle t'envoie un message que ta lettre est, je sais pas quelle lettre d'ailleurs, quelque part dans un rayon de 50 mètres. Pause! Ça marche pas! Comment je pourrais trouver pour que tu comprennes bien? Viens là. Comment tu le ressens, le jeu? Comment tu te sens quand t'es en jeu? Qu'est-ce qui fait que tu bloques? Mais je bloque par des bêtises, en fait. Je demande que ça. Fais des bêtises. Tu ne réfléchis pas. Tu me fais toutes les bêtises que tu veux, je m'en fous. Mais moi, je veux voir le Arthur qui propose, je veux voir le Arthur qui s'éclate. Qu'est-ce que j'imagine? En impro, Arthur se bat pour progresser. En cours, c'est différent. Il est excellent. Oui, Arthur. Je suppose que ce sera une histoire fantastique. Effectivement. Donc c'est un thème appartenant au fantastique. Arthur est en quatrième. Il a 12 ans. Il vit dans ce petit pavillon, à deux pas des appartements de Samira et Adi. Arthur est l'aîné de 3 enfants. Émilie, sa mère, enseigne dans un lycée agricole. Raphaël, son père, s'occupe du marketing dans plusieurs domaines viticoles. Tout est à peu près simple à l'école pour toi, sauf l'impro. C'est différent. Raconte-moi. Pas pareil, il y a plus d'efforts à faire et c'est en fait c'est en dehors de mes facilités que j'ai. Ça concerne pas mes facilités, quoi. Donc c'est plus dur déjà. Et en plus, ça concerne mes défauts. Donc c'est encore plus dur. C'est-à-dire ? La concentration. Les troubles de concentration d'Arthur ont été repérés par ses parents dès son plus jeune âge. On pourrait caractériser ça par un mélange de hyperactivité et de problèmes de concentration, en fait. C'est ouais, le trouble du déficit attentionnel. Mmh. C'est-à-dire qu'il a des moments où son attention saute et il bascule dans son propre univers, il décroche complètement, il est ailleurs. Pour le ramener, il faut de la patience et du temps. Mmh. Et des fois, c'est dur. Nous, on a choisi de entre guillemets, faire avec, c'est-à-dire de ne pas le médicaliser, de pas le mettre sous médicament. Pour aider Arthur à se canaliser, ses parents l'ont inscrit à un grand nombre d'activités. Du foot, du basket et des échecs. Mais la discipline qu'il préfère, c'est l'impro. C'est lui qui a choisi d'en faire. Quand il a commencé à nous en parler, je trouvais ça intéressant parce que ça développe... j'imagine que ça développe plein de choses, en fait. À la fois entretenir l'imagination, le cultiver, le mettre en pratique. Lui, il part tout le temps dans des personnages, dans des mondes. C'est pour ça que ça fait partie de son univers complètement parallèle, ça. Le vrai challenge pour lui, c'est certainement de pouvoir partager et d'ouvrir aux autres. Et de le développer, de le cultiver avec les autres. À la fin de l'année, les élèves les plus prometteurs du collège Auguste Blanqui disputeront une grande finale à Paris. Ils rencontreront les meilleurs joueurs des autres collèges participants. Ça gaze ? Bonjour. Tu flippes un peu, non ? Non, pas plus que d'habitude, mais quand même, parce que vous ramenez du beau monde, mon cher Vinny. C'est la classe, c'est bien. Ouais, c'est bien. La classe. Comment vas-tu ? Le 7 février dernier, Jamel, Marc Ladré de la Charrière et Papy se sont donné rendez-vous dans cette petite salle de trappe. La compagnie des Clics Théâtre organise un match d'impro.
attention, Edon. Ces dernières semaines, Marc Ladret de la Charrière a fait chauffer son portable. Et ce soir, il attend un invité de Marc. Improvisation mixte qui aura pour thème le bise du buzz. J'arrive juste. Pour la suite. Ça va, quand? Du bonheur. Du bonheur de t'accueillir à Trappes, dans ma ville préférée. Oui, hein, je sais. Hein. Ce rendez-vous n'était pas inscrit dans l'agenda officiel du président de la République. Ça va. Ah, excusez-moi. Je perturbe là, Il n'y a qu'un seul maître à bord et c'est moi. Merci beaucoup de respecter ce spectacle et d'être ponctuel la première fois. On n'est pas le président de la... Merci. Je serai viré, monsieur le président. Vous vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Improvisation comparée. Qui aura pour thème l'histoire des chardons afghans. Durée de l'improvisation, 2 minutes. Je vais vous raconter l'histoire d'un preux chevalier ardent qui alla délivrer sa femelle d'un méchant roi. Sa femelle d'un méchant roi. Le preux chevalier alla voir son roi. Il frappa à la porte de la maison du roi pour demander pour aller sauver sa fille. Le roi changea d'avis, il disa oui. Il disait oui. J'ai généralement des élèves qui sont effrayés par les bouquins. Ouais. Et qui partent sur pied. Jamais j'ai la galerie. Oui, dans la classe. Oui, dans la classe. Mais là, applaudis, c'est pas pareil. C'est là un point. Oui, c'est la différence. Oui. La différence entre déconner et jouer. Voilà, c'est ça. Cette considération que m'a filé le public m'a plus quitté, c'est une confiance qui m'a permis de faire le reste. La sur de deux phobies à stress, c'est l'expulsion du match. Ça a été mon diplôme. Oui. Allumez-moi cette salle. Majorité. Le point noir. C'est cruel. Oui, c'est cruel. C'est cruel, mais c'est un peu le jeu, malheureusement. Je comprends. Maman, ouais. Pourquoi j'ai pas le droit de me marier avec un arabe? Papa, il veut me marier avec un blanc, un français. Oui, il a raison. Mais j'aime que les arabes. T'es qui, toi? Jean-Paul, pour vous servir. Ah, Jean-Paul, voilà, là, c'est mieux. Le match terminé, Marc Ladret de la Charrière se lance à son tour dans une petite improvisation. Votre présence, monsieur le président, nous va droit au cœur. Et sachez, monsieur le président, que nous avons une ambition. Nous avons une énorme ambition. Nous serions très heureux que tous les jeunes issus des collèges d'éducation prioritaire puissent aussi eux-mêmes faire de l'improvisation. Et on a un petit vent de folie, c'est vrai, mais on voudrait que l'impro soit inscrit dans les programmes de l'éducation nationale comme une option facultative. La balle est désormais dans le camp du président, qui promet en partant d'assister à la grande finale de Paris. Au collège Blanqui à Bordeaux, les semaines passent. Je veux qu'il y ait du délire dans ce que vous faites.
et peu à peu, tout le monde se libère. Une heure par semaine, chacun met de côté ses soucis. Le jambon de bon garçon. Oh bah okay. Pour Adi, cette fin de trimestre est difficile. Depuis plusieurs semaines, sa maman, Ramata, a dû repartir en Mauritanie pour des soucis familiaux. Durant son absence, c'est Abdoulaye, le grand frère d'Adi, qui s'occupe de l'intendance. Sans sa mère, Adi se laisse un peu aller. En cours, alors qu'il était jusqu'ici bon élève, ses résultats chutent. Ici, j'ai toute ma liste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, cahier d'exercice. Voilà, je vous laisse commencer. Alors, Samira, qui élève. Un premier trimestre tout à fait positif dans l'ensemble. Les efforts de sérieux et l'investissement en classe portent leurs fruits. Prenez donc confiance en vous. Les difficultés peuvent être surmontées par un travail encore plus régulier et approfondi. J'ai le sentiment qu'elle s'est ouverte un peu sur le monde récemment. Elle s'était renfermée et que là, ça y est, elle a pris... Samira, ça n'a jamais été une foutre de guerre en maths. Improvisation théâtrale ayant pour thème délégué de classe, ça passe ou ça casse. Adi, un bilan décevant pour ce premier trimestre. Adi n'a pas encore pris conscience des enjeux de la classe de 3e. Ses résultats pâtissent de son agitation et de son manque de rigueur. Pourtant, des efforts de sérieux avec un travail approfondi, une attitude adaptée lui permettraient d'obtenir des résultats correspondant à ses capacités. On attend donc un changement dans ce sens pour progresser et réussir cette année. Il y a un peu de suffisance. Voilà, il est très sûr de lui. Ah oui, là, ça... Il est tout le temps en train de commenter les dires de ses camarades, les dires du professeur. C'est usant. Mais pendant ce temps-là, il est qu'à 11 en maths. Voilà. À 5 en SVT, ça paraît quand même. Remarque. C'est surtout dommage parce qu'il aurait les capacités de... J'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure. Je savais que tout allait tomber. Mais faut assumer. Je fais des conneries en classe, mais lors du conseil, faut assumer. Voilà. J'ai assumé, j'ai gardé la tête haute et j'ai pris conscience de ce qu'ils m'ont dit. Voilà. J'espère ne plus le refaire. Mais les bonnes résolutions ne suffisent pas. Nous accumulons souci sur souci avec Adi. Au collège, l'impro se mérite. Et Adi va sentir passer la sentence. Je ne suis pas là pour discuter de ça, Cédric, il n'a pas besoin de savoir ça. Donc aujourd'hui, soit il n'assiste pas, soit il est simplement spectateur. Ouais. Et Adi a nous prouvé au collège qu'il est digne de participer au match d'impro. Pour l'instant, vraiment, ta montée à Paris en tant que joueur, elle n'est vraiment pas acquise. Hein. Ah, et surtout du point de vue d'école. Il y a aussi son mot à dire, comme Adi, je te le rappelle là. Allez, je vous le laisse. Ouais. Dans le panneau, on va s'expliquer. Je me dis, j'ai raté une heure de fou. Une heure de dingue. Une heure de liberté. Dans moins de 2 mois, il y a le championnat de France d'impro à Paris. Tu vas y être ou pas? On a une bonne équipe. Tarek est là, Vincent est là, Léo est là, tout le monde est là. Tu vois, ça va être dur d'avoir ma place et tout. Donc je vais me donner à fond. Je dis pas que je vais pas y aller, je dis pas que je vais y aller aussi. Donc voilà, je parle pas en fait. Je resterai. L'impro, ça peut t'amener quoi, ton objectif ultime? Devenir comme les Jamel Debbouze, Léo Marcier et tout, frère. Voilà. Même ma mère voudrait que je devienne ça.
Bilan mitigé, Samira. Si faire des efforts et ainsi maintenir un niveau honorable, ne vous découragez pas, ne vous lâchez pas, vous êtes capable de mieux. Ça va, 10. Mais elle peut faire mieux, hein? Là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie, hein? Vous aimeriez quoi? Ça serait quoi votre souhait, votre rêve? Pour elle? Le rêve, ça dépend d'elle. Moi, je ne peux rien vous dire, hein? Mais vous, la maman? Je ne suis pas à sa place. Vous, la maman? J'aimerais qu'elle poursuive ses études. Après, je ne sais pas. Oui. Vous pensez que c'est bien pour elle, l'info? Oui. J'espère qu'elle ira loin. C'est bien. Avec ça, hein. Qu'elle sera une grande comédienne de théâtre. C'est vrai. Oui, j'espère. Ça dépend d'elle, hein? Aujourd'hui, Neza franchit un grand cap. Malgré les réserves de Samira, elle a décidé de venir la voir jouer sur scène dans ce théâtre du centre historique de Bordeaux. Cet après-midi, un match oppose les trois collèges de la ville qui suivent des ateliers d'improvisation. C'est une étape importante avant la grande finale du mois de juin pour des ados peu aguerris à la scène. C'est sur les maillots de hockey. En coulisses, Samira écoute les dernières consignes du coach. Sa mère va la découvrir sur scène pour la première fois. Improvisation comparée. Tu auras pour thème l'accusé du jacuzzi. Capitaine Samira, vous prenez ou vous laissez? En place. Les blancs, vous êtes prêts? Vous savez que dans 24 ans, vous allez en prison. Oui, je sais, c'est pour ça que je profite du jacuzzi. Eh bien, profitez bien, parce que vous êtes une criminelle. Je suis pas une criminelle, j'ai rien fait. Si. Mais non, j'ai pas tué ce lapin. Dépêchez-vous, on y va, là. D'accord. Vous avez fini? Oui, j'ai fini. Ah oui. Alors, allons-en. Menottes. Tournez-vous, exarços. Yahoo, allez. Nous sommes en prison. L'équipe de Samira remporte la manche. Vous êtes bien? Vous êtes toute rouge? Ah oui, j'ai chaud. Hein. J'ai pas l'habitude de rester assise une heure et demie. Voilà, on regarde le gros là, il va nous prendre un gros plan. Voilà, c'est bien. Tiens, il y a aussi un film. Ben oui, tu m'aimes. Mais non, je pars avec le collège, j'ai pas encore fini. Lolita? Est-ce que tu sais que tu es fête? Tu le tiens? Parce que tu es timide. Ah, ok. Wallahi, là, tu vas te ramener. Vas-y, à l'heure. D'être le futur Gad Elmaleh ou la future Florence Foresti? Non. Je veux pas de ça, moi. C'est juste pour m'amuser, le théâtre. Je veux pas devenir comme eux. Je veux pas. Après, c'est trop, hein. Après, tu peux devenir dépressif et tout. À Paris, d'autres assument se prendre pour de grands comédiens. Depuis plus d'un siècle, le Palais de Justice accueille des improvisateurs d'un autre genre. Il est 19h, les audiences se terminent.
Les hommes de loi rangent leurs robes au vestiaire. Dans les couloirs, l'étudiant Jacques Goulet-Wix se prépare à affronter un jury de jeunes avocats. C'était sans doute l'évocation de tout. Nathalie avait repris son gourdin, et plus par désespoir que par haine. Elle avait commencé à me matraquer sauvagement la gueule. Une fois par mois, la prestigieuse première chambre de la cour d'appel ouvre ses portes au public pour une étrange cérémonie. La conférence Berryer, du nom de l'avocat qui a donné à la plaidoirie ses lettres de noblesse. Ouais, non, là c'est pour le balcon. Et la première chambre fait salle comble ce soir. Plus de 400 personnes ont fait le déplacement. Cette salle est empreinte d'histoire. L'affaire Dreyfus, l'espionne Matahari et les putschistes d'Alger y ont été jugés. Mais ce soir, elle se transforme en tribunal des flagrants délires. À chaque conférence Berryer, un invité de marque. Ce soir, Guillaume Gallienne. Guillaume Gallienne va être aux premières loges pour cette joute d'éloquence, potache et mauvais esprit, destinée à entraîner les avocats à être plus performants dans leur plaidoirie. Je voulais juste d'abord vous remercier d'être toutes et tous aussi nombreux ce soir. Je suis assez touché. Et j'ai le trac. Et je suis pas le seul. Ce soir, comme toujours, malheureusement, il y a des candidats. Jacques Goulet-Wix, élève ingénieur à Supélec. Mais heureusement, au milieu de ce CV aussi lisse qu'une fesse de bébé se glisse, une bombe qui va t'éclater tout à l'heure dans la tronche. Ne t'inquiète pas. C'est Céline que t'as oubliée au bas de la page. Depuis septembre 2012, chef scout à la troupe Saint-Pierre de Neuilly. Donc je te laisse te lancer, le sujet étant, la comédie est-elle encore française? Mais vas-y, cogne-moi avec ta matraque, fais-moi mal puisque t'en as envie, Nathalie. Tu voulais aller au bout de ta tragédie. Jacques Goulet-Wix est le seul à avoir préparé son discours. Face à lui, 12 avocats concentrés. Dans quelques minutes, ils vont improviser à tour de rôle et railler la prestation de l'étudiant. Même les plus belles choses meurent. Et les sociétaires de la comédie française pourraient réfléchir à leur évolution future. Oui, Nathalie, la comédie, ce soir, est française, encore et malgré tout. Parole aux avocats, procureur d'un soir. Jacques Goulet-Wix. Nous serinons pendant 10 minutes, un quart d'heure, d'une histoire de gourdin avec une Nathalie dont je ne sais pas si elle existe. En fait, je crois qu'elle n'existe pas. Dénote plus certainement de la difficulté que tu as eue à traverser les épreuves de ton investissement vraisemblable chez les scouts de Neuilly. Dont aujourd'hui tu es devenu le chef. Et on sent dans ton discours que tu as pris de l'assurance. T'es dans la première de la cour, mon gars. Il y avait le maréchal Pétain, ici, à la même place, il y a 50 ans. Tu imagines la solennité. Si tu n'as pas de respect pour toi, si tu n'as pas de respect pour nous, en est au moins pour l'institution judiciaire. Jacques Poulet-Wix. N'en déplaise à l'évangile selon saint Jean, avec toi au commencement n'était pas le verbe. Ça se passe comment avec les filles, Jacques? Traîne pas qu'avec des scouts ou avec Nathalie. Guillaume Gallienne, vous avez pris la parole tout à l'heure en remerciant la salle. Et par-delà, vous sous-entendiez presque que la salle était là pour vous. Je m'excuse, mais je vais devoir vous décevoir. Comme vous l'avez tous compris, nous sommes tous là pour Jacques Goulet-Wix. Et tu nous as déçus. À un moment, tu dis qu'il faut sauver la comédie française. Et là, à ma gauche, j'ai Guillaume Gallienne. Il côtoie Eric Ruff. Il côtoie Philippe Torreton. Il côtoie Denis Podalydès. Mais en t'écoutant, il m'a susurré à l'oreille, il veut sauver la comédie française
Eh bien, je suis soulagé. Et maintenant, parole à la défense. Cher Guillaume Gallienne, il faut sauver le soldat Rouet X. Vous avez la parole. Moi, je trouve le pathétique touchant. Ces jeux de mots sur le nom de famille de ce brave garçon, je veux dire, il est déjà... Non, mais c'est déjà pas facile. Qu'est-ce que vous allez... En 2014, on fait encore des blagues foireuses sur les noms de famille, mais vous êtes doux. Non, mais franchement, sur Neuilly-sur-Seine, sur les clichés, sur le scout, mais... Ça, je trouve ça nul. Ça ne vous correspond pas. Vous valez visiblement mieux que ça. Donc, bossez un peu plus. En fait, vous, secrétaire de la conférence, je vous ai trouvé assez caustique parfois, parfois drôle en effet, mais vous avez fait ressortir de la comédie dans ce qu'elle a de français, à mon avis, ce qu'elle a de pire, c'est-à-dire le ricanement. Parce que si vous voulez qu'on parle des apparences... Excusez-moi, mais... Philippe Torreton n'est plus à la Comédie Française et on ne dit pas « je m'excuse », on dit « je vous prie de m'excuser ». Là, je peux remercier la salle ou pas ? Bien sûr. Ouais. Non, je rigole. Mais... Ça y est, les gars ! On s'est fait trier par Guillaume Gallienne ! Bon, en tout cas, je repensais à ce que vous nous disiez tout à l'heure à table. J'ai le trac, je sais pas improviser. Et là, j'ai compris ce que c'était qu'un grand acteur. Bravo, Guillaume Gallienne. Savoir réagir quand on est acteur, c'est important parce que les gens qui agissent sans réagir souvent jouent seuls. Donc réagir, oui, c'est important. Ça veut dire déjà qu'on est à l'écoute et c'est assez essentiel. C'était le meilleur. C'était le meilleur. Non, il n'a pas volé ses Césars et surtout, c'est pas évident parce que c'est un acteur qui, en général, dit les textes des autres. On a découvert que c'est un improvisateur de génie, quoi. Enfin, il était meilleur que nous. Il nous a fait mal, en tout cas. Mais c'est bien. Jamel a décidé de rendre une visite surprise aux collégiens de l'atelier d'impro de Bordeaux. Si un jour l'improvisation théâtrale entre dans les collèges, je pense qu'on peut changer les mentalités et les mœurs en France. On peut vraiment modifier la société. L'improvisation théâtrale, t'as pas besoin de culture, t'as pas besoin de verbe. T'as besoin d'être qui ? T'as besoin d'être toi. C'est comme ça que tu vas à Molière et c'est comme ça que tu vas à Corneille. J'ai lu pratiquement tout Molière parce que j'ai commencé à faire de l'improvisation théâtrale. Aujourd'hui, j'adore Molière et probablement que je l'adapterai un jour. Mais jamais j'y aurais été. Parce que c'est trop loin si j'étais pas passé par l'impro. Quand j'ouvrais un bouquin, j'avais peur du bouquin, tu vois. C'est pas moi, c'est lui qui me lisait à la fin, tellement, tu vois, j'avais peur de cet objet. Le texte est quelque chose qui nous effraie, les mots, l'orthographe, c'est quelque chose qui est lourd, qui fait rep, qui fait peur. Non mais c'est vrai, c'est ce que je pense, je te jure. C'est pas des mots parce que ça s'est opéré sur moi, donc je suis très bien placé pour t'en parler, et ça s'est opéré sur des gens qui se détestaient, et qui se détestaient parce que les autres ne les aimaient pas, en tout cas c'est l'image qu'on leur renvoyait. Quand tu sors d'un match d'impro et que t'as fait un bon match, les gens ont applaudi, qu'ils ont ri, que t'as gagné le match, qu'ils ont voté pour toi, que t'as eu une étoile parce que t'as été bon. Je te jure que tu vis pas pareil derrière. Tu vis pas pareil, t'es plus heureux, t'es plus détendu, t'en veux moins au monde. Et surtout, tu sais qui t'es, quoi. T'es un mec marrant, t'es un mec touchant, t'es quelqu'un d'intéressant, t'as quelque chose à dire. Tu comptes.
Il y a Cédric. Isabelle, ça va ou quoi? Ça va. Ça fait plaisir de te voir. Merci. Je connais pas les jeunes, rien. Si, j'ai déjà vu la finale, là, tu vois, je sais pas si je les remettrai tous. Alors vraiment, Adi, c'est... au niveau du championnat, c'est notre petite perle, on va dire, tu vois, à Bordeaux, là. Adi? Ouais. Ah ouais? Ouais, lui. Et bon? Moi, il me fait penser à un petit Eddie Murphy, tu vois. Vachement de personnages, vachement de... Plus tard, je pense que ça va être un pur kiff d'être sur scène avec lui. Attention, c'est parti! On nous a dit de rentrer par surprise. Quelle folle! On est avec ma fille, on y va maintenant. Putain de merde! Bonjour! Oh! Comment tu vas? Ça va? Adi! Oh! Ça va quoi? Bonjour! Adi est choqué. Ça va? Je me mets où, chef? Tu te mets dans le groupe si tu veux. Allez, je suis dans le groupe. Donc. Vous êtes prêts? Attention. Top! Pastèque magique? Roll! Je suis devenu une pastèque! L'espace! Je veux un pastèque! Prenez l'espace, pause! Oh, je vois! Oh, si, mais tu veux venir une pastèque? Allô? Allô? Oui? Bon, je suis aux îles balnéaires. Je vais chercher des prothèses. Mais ne vous inquiétez pas, je suis pas très bien loin. Au revoir! Il est parti aux îles balnéaires! Et top! On peut les applaudir! Qu'est-ce qu'on peut dire? C'était super. Quand vous trouvez des trucs marrants, faut les noter. Les îles balnéaires, par exemple, faut le garder, ça. Ça n'existe pas. Non, c'est Tarek, je t'en ai parlé. C'est extraordinaire. Ça, c'est très bien. Les baléares. Non, mais ça marche très bien. Et je peux te dire une dernière chose. D'une manière générale, les gens qui commencent l'impro, comme vous, ils ont cet espace qu'à leur disposition et au lieu de le prendre, l'espace, ils vont aller scoltiner un autre comme pour se rassurer. Mais c'est même pas comme, c'est pour voilà. Se rassurer. Pour se rassurer, on va aller chercher, on va aller se coller à l'autre. Or non, ce qui va faire que vous êtes différent des autres, c'est de prendre l'espace et de s'affirmer justement. Il y a un autre truc que vous faites généralement, c'est tourner le dos un peu au public. Si t'es comme ça et que tu fais un geste là, je sais pas de quoi il s'agit si je suis assis là, tu vois. Donc il faut pas hésiter à ouvrir, donc prendre de la place. Ça c'est important. Ne pas avoir peur. N'ayez peur de rien. Quand vous êtes dans cet espace, si t'as peur, c'est mort. Et si tu réfléchis trop, c'est mort. Si tu réfléchis pas assez, c'est mort. Il y a un temps à prendre qui est super important. Parfois, on me faisait rentrer. J'étais obligé d'aller en impro, et j'avais rien à dire. Je fermais ma tronche, et je me cachais, tu vois. J'attendais d'avoir un truc à dire. J'écoute, je regarde ce qui se passe. Si vraiment j'ai rien à dire, je reste caché, mais ça m'est jamais arrivé, tu vois, ça n'arrive jamais de n'avoir rien à dire. Si tu écoutes vraiment, et si tu as envie de participer à l'impro, écoutez le coach à mort. Si vous écoutez pas le coach, vous êtes... On n'est rien seul. Seul, on n'arrive à rien, dans tous les domaines du monde. Hein. Même Usain Bolt, Il est seul sur la piste, mais avant d'être le premier, il a fallu, tu vois, qu'il écoute son coach, qu'il mette en pratique tout ce qu'il a appris. Et une fois sur la piste, ça déroule. Sur la piste, c'est déjà, tu vois, c'est pas le jour du contrôle qu'on apprend, hein, tu vois, on est d'accord, hein, c'est avant que ça se travaille. C'est tout ce qu'il y a en amont qui est important, pour que le jour de l'impro, vous soyez libre, quoi. Ça me fait plaisir de faire le prof un peu. C'est vrai, ouais. Ça fait du bien. Ouais, vraiment, c'est un exutoire formidable. Ouais. Pour en revenir à vous, j'ai trouvé que c'était très, très bien. La première fois que je vous vois, j'ai trouvé que c'était vachement bien. Donc lâchez pas. Tout ce que je voulais vous dire là, si vous deviez retenir un truc de cette visite, lâchez pas. Allez, on range la salle. Yes. Suivante, s'il vous plaît. C'est prête? Yeah! À bientôt, poteau. À Paris, j'espère. Ben, merci beaucoup. Merci pour eux.
Merci pour tout le monde, franchement c'est chouette. C'est mortel, frère. Ça fait plaisir. Ah ouais, ouais. Bon. C'est extra. Ouais. Ça va replonger tout de suite. Quel âge tu as là, en ce moment là? 10 piges, pile. 10 piges et j'ai pas envie de rentrer chez moi, faire mes devoirs. Bang! Il y avait Jamel Debbouze. T'as pas vu, t'es pas venu. Oh, t'as raté 2 minutes. Là. Sur le col. Mais frère, ils sont partis il y a 2 minutes. Montre-lui les photos. Putain, j'ai gavé le seum. Jamel Debbouze. Frère, il est venu. Wanis et Michel l'ont vu. Ouais, oh, ils ont bugué, ils ont fait des photos avec Jamel. Il est rentré comme ça dans la salle, voilà. Fou. Salut les mecs, j'ai fait. C'était moi qui est en train de jouer, j'ai fait. Oh putain. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Il a fait, oh Adi, ton langage. Putain, j'aurais gavé qui fait qui vient chez moi. Oh mon dieu. Je m'imaginais genre, il était chez moi, il parlait avec ma mère, on mangeait du couscous. La vie de ma mère, je m'imaginais ça dans ma tête. L'improvisation offre plein de souvenirs aux collégiens qui la pratiquent. Elle leur confie surtout des outils pour mieux affronter l'avenir. Si je trouve un métier, il faudra que je fasse des entretiens ou il faudra que je fasse des trucs comme ça et je pense que ça va m'aider pour mon avenir aussi de faire ça. Tu penses ou t'es sûre? Non, je pense que je suis sûre. Ouais. De plus en plus d'entreprises utilisent l'impro pour améliorer leurs performances. À Paris, cette société de télémarketing emploie une centaine de salariés chargés de vendre des panneaux solaires au téléphone. Je vous appelle aujourd'hui, monsieur, c'est tout simplement pour vous faire bénéficier d'une étude. Chaque téléconseiller passe plus de 300 appels par jour. Les refus sont nombreux, les insultes fréquentes. Rares sont les appels qui aboutissent. Alors, pour remotiver les troupes, la société a fait appel à Olivier, un coach d'impro. Dites-moi, madame Levillain, qu'est-ce qui entraîne votre réticence? Non, monsieur, c'est pas une publicité. Qu'est-ce qui vous intéresse pas? J'ai même pas encore parlé, monsieur. Allô? Allô? Bonjour à tous. Olivier Bétache est comédien. Il a découvert l'impro lorsqu'il était étudiant à HEC. On n'a pas du tout l'intention de faire de vous des comédiens, c'est pas le but. Le but, c'est de se frotter à quelque chose qui est nouveau, exprès, et d'essayer quand même d'y mettre tout son cœur et toute son énergie pour développer ce mental de winner. Je vous donne une lettre, d'accord, de l'alphabet. On va voir un H. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Non, le but, c'est d'être tout de suite rapide. Il y en a un qui a une idée, il propose, l'autre, il accepte. Pas le temps de faire des politesses. On va voir un T. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo, super, ça fait Titanic en plus. C'est top. Un X. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. Pourquoi on fait tout ça? Parce que c'est exactement... On essaye de reproduire ce moment un peu d'inconfort quand le téléphone sonne, on ne sait pas qui on a en face. Là, c'est pareil. Vous savez, il y a un moment où vous dites « Oh là là, j'ai que 10 secondes. » C'est stressant. Enfin, stressant. On s'entend bien, mais il y a un petit stress. Et je me dis « Qu'est-ce que je vais faire ?» Si je suis en mode stress, ben, possible que je ne fasse pas un truc génial. Je vais faire un peu comme tout le monde. Si je suis détendu et que je me dis bah, « On verra bien. » Ah là, je suis dans une énergie de winner. Et là, je vais aller rajouter des choses originales. Vous comprenez la démarche? Allez. En fait, j'arrive pas, en fait. It's fun to fail. C'est marrant de se planter. C'est-à-dire que je dois dédramatiser l'erreur. Plus je me dis, allez, c'est pas grave, on va y aller, je vais tenter, je vais tout donner, même si je suis pas complètement sécurisé à ce moment-là, on verra bien. J'ai tout dans ma tête, j'ai tout pour rebondir sur mes pattes. À ce moment-là, je suis dans du plaisir et à ce moment-là, j'y arrive. Allez, on s'en fout, qu'est-ce qu'on a à perdre? On y va. Mon mec m'a jeté hier. Plus. Mon mec m'a jeté hier. Plus. Mon mec m'a jeté hier. Plus. Ouais, mon mec m'a jeté hier. Plus. Ouais, mon mec m'a jeté hier. Plus. Pas plus. Olivier enchaîne les formations dans tous les milieux. Après les employés de la plateforme téléphonique, direction les Champs-Élysées. Il coach aujourd'hui des dirigeants du CAC 40. Karine, Guillaume, Thomas, Véronique sont tous des cadres aux lourdes responsabilités. Depuis plusieurs mois, ils suivent régulièrement les cours d'Olivier. Véronique, je vous propose de simuler une chute d'ascenseur. Je tape une fois des mains, l'ascenseur se fige.
Donc, qu'est-ce qui se passe? On réagit naturellement. Deux fois des mains, les freins lâchent. C'est parti. Pardon. Excusez-moi. Oh, ça va, c'est plein. Je me serrais un peu. Mon vélo, combien? 11 pour moi. 10. Ah putain, qu'est-ce qui fait chaud dans ces ascenseurs, c'est insupportable. Hein. Il lance l'ascenseur, il est là. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont chiants, putain. Je suis claustrophobe là, vraiment, là, il faut faire quelque chose là. Respire, respire, Véronique. On est pris en charge. J'ai essayé de mimer les cheveux qui s'envolent. Vous avez chacun un personnage et vous allez vous rencontrer. Et il faut qu'en 5 secondes, on comprenne qui vous êtes, où vous êtes. Ouste maintenant, tu es sur le chemin du duc. Qu'est-ce que vous faites dans mon labo, monsieur? Un labo? Quel labo? Je suis en train de prendre des mesures. Monsieur, je suis perdu là. Quelle époque on est? Tu te souviens du 21e siècle? Que faites-vous? Ah, c'est la machine à voyager dans le temps de professeur The Slice Les. Et c'est génial parce que du coup, on arrive à faire combiner deux univers qui a priori n'ont rien à voir et on comprend tout en 10 secondes. En fait, ce que vous venez de faire, c'est très proche des comportements de négociation. Dans une négociation, je sais mes intérêts, ce que je veux, mais souvent, je ne sais pas ce que veut l'autre avant de rentrer. J'imagine, mais j'en ai aucune idée. Si je m'arrête là et je nie l'autre, je ne peux pas négocier. L'improvisation, ça apprend comment je suis finalement plus performant en écoutant mieux l'autre et ce qu'il a à me dire, sans projeter tout de suite ce que j'ai envie qu'il me dise à moi. Et en management et en situation professionnelle, c'est quelque chose qui sert beaucoup. Et ça s'applique en pro comme en prix, comme en vie privée. Mais voilà, de se dire, ok, je sais que je ne vais pas tout maîtriser, mais c'est dans l'action que ça va se faire. Et avec un peu de bienveillance et d'écoute, on arrive toujours à s'en sortir. C'est pour ça que je le recommande. C'est un espace où on peut expérimenter, se challenger, avec en plus un truc, on se marre bien, quoi. Et on peut se planter tranquillement, sans problème, sans que ça nous coûte. Tu fais un discours sur un truc que tu veux. Moi, je te montre des objets. Et toi, tu dois suggérer l'objet dans ce que tu es en train de raconter. Mais les autres ne doivent pas s'en rendre compte. Si je te montre du scotch, tu vas dire « Ouais, c'est vraiment un sujet qui colle, mais tu n'as pas le droit de dire scotch ». Attention, c'est parti. Alors, chers amis, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très très important, puisque vous êtes tous ici des moniteurs. On va parler des colonies de vacances. Les colonies de vacances, sachez-le, le principal objectif, ce sont les enfants. Ils doivent toujours boire, avoir une gourde sur eux. C'est super important. Il fait très chaud là où on part quand même en Crète. Crète, c'est 37 degrés par semaine. Il faut qu'ils aient accès rapidement à la capacité à communiquer par des ondes, par ce que vous voulez, donc vous aurez besoin de ça. N'oubliez jamais, n'oubliez jamais. Deuxième règle, l'eau, première règle. Deuxième règle, il faut se sustenter. Ils ont besoin d'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est des glucides. N'oubliez jamais des petites ramettes de glucides. Le matin, troisième règle, quand vous vous réveillez, tout de suite, les informations régionales. Les enfants doivent être au courant de tout. C'est clair pour tout le monde? En fait, il est intéressant cet exercice parce que le perturbateur, il incarne, quand vous parlez en réunion, quand vous motivez sur un projet, il incarne ceux qui sont jamais contents, ceux qui sont jamais d'accord. Si on se laisse trop polluer, on n'arrive plus à avancer dans son discours. À chaque fois qu'on dit un truc, on dit « Ah, qu'est-ce qu'il va dire encore celui-là? Je sais qu'il n'est pas d'accord, je sais... » Et ça, c'est très dommage. À un moment donné, vous êtes en position de management, vous êtes en position de leadership, c'est vous qui décidez. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas à l'écoute des autres, au contraire, je peux l'intégrer, mais à un moment donné, je vais chercher plus mes alliés et les autres, on les intègre, mais à leur juste place. Je me suis aperçu, plus je montais haut dans les tours, plus les gens étaient éloignés, finalement, des vrais gens, des espèces de tours d'ivoire, et plus du coup, l'affirmation, on la retrouvait, mais au détriment de l'écoute et du vivre ensemble. Et c'est là où nous, on vient leur apporter, leur dire, attendez, vos méthodes... de charisme à la papa, quoi, de je m'affirme, donc voilà, De Gaulle, j'ai un dessin pour la France, suivez-moi parce que je suis puissant, ça marche plus au 21e siècle, ça fonctionne pas. Ils ont besoin de faire fonctionner les gens entre eux, ils ont besoin d'écouter, ils ont besoin de fédérer, et donc ils ont besoin d'improviser. Marche dynamique. Merci à toi. À Bordeaux, Adi a repris du poil de la bête. Sa motivation et ses notes remontent.
Ouais, t'as réussi. Je t'en donne pas pour mon rôle. Non, mais ça c'est... 13, film, film. 13, 13, combien, monsieur? 13, 25, monsieur? C'est une note exceptionnelle. En SVT, j'avais... Monsieur, j'avais 6. J'avais 6, et voilà. Là, c'est le travail qui paye. Ça, c'est la preuve que je fais des efforts. Bon, la preuve vient à long terme, pas à court terme. Et en impro... Je veux deux personnes qui improvisent. Le travail paye aussi. Okay. Adi fait partie des candidats potentiels pour la finale. Détruis tout. Pour Cédric, c'est bientôt l'heure du choix. Seuls deux élèves de Blanqui iront à Paris. Mais au-delà de la compétition, les élèves de l'atelier ont tous progressé au bout d'un an d'improvisation. Sur les planches, comme à l'école. C'est la vie de Madame Robin, la principale du collège. Je pense à Samira qui s'est complètement ouverte. Et ça, je crois qu'il n'y a pas un conseil de discipline... pardon, il n'y a pas un conseil de classe où on n'a pas remarqué ça, parce que c'est vrai que ça a été vraiment une fleur qui s'épanouit. Pour elle, oui, la mission est accomplie, oui, à 100%. Alors après, c'est peut-être pas vrai sur tous, mais sur elle, pour moi, oui. Arthur, je pense qu'il s'est calmé. Et il a appris aussi à parler aux autres. Elle dit que c'est sa vie qui, malheureusement, est compliquée. Hein. Et je crois que les matchs impro, comme toutes les petites choses qu'on peut faire au collège, font qu'Adi, ben, tous les matins, il se lève. Tous les matins, il est content de venir au collège. Et il continue d'apprendre. Il continue de faire ses devoirs. Ben, rien que ça, moi, je trouve que c'est un sacré challenge qui remplit, quoi. Pour la grande finale, Cédric a choisi Inès et Adi. Avec quatre autres joueurs sélectionnés dans deux autres collèges qui font de l'impro à Bordeaux, ils partent à la conquête de la capitale. Ils vont se produire au Comédia, une grande salle parisienne. Et on s'amuse, on oui, s'amuse oui, mal. On va péter. Fais confiance, d'accord? T'en es super capable. En coulisses, la pression monte. Chaque semaine, ils se retrouvent, s'échauffent, inventent, créent, imaginent. Ils ont joué dans leur collège, puis dans un théâtre de leur ville. Et aujourd'hui, ces malheureux improvisateurs viennent défendre les couleurs de leur ville pour cette finale parisienne. Ce match oppose les cinq villes françaises qui, grâce à la Fondation Culture et Diversité, proposent l'option improvisation au collège. Bordeaux, Lille, l'équipe de Trappe, évidemment. Paris et Rochefort. Le combat de Jamel, Papy et Marc Ladret de la Charrière commence à porter ses fruits. Dans la salle, Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture, et son collègue Benoît Hamon, ministre de l'Éducation nationale, ont tous les deux fait le déplacement. Dernière manche. Bordeaux a un tout petit point d'avance sur les autres équipes. L'impro qui va suivre est décisive. Improvisation mixte. Tu auras pour thème Mamie a rajeuni. Là, tout joue sur la patate, la construction, voilà, pour qu'on envoie du steak grave. C'est la seule solution. Il me faudrait un remède. Bordeaux affronte la redoutable équipe de Trappe. Tu vas faire la tête. Non, je suis pas dans... C'est pour moi la solution. Rude, là, ils envoient tout de suite un deuxième joueur, direct. Alors que la rencontre, elle s'est pas encore faite, ils envoient tout de suite un deuxième joueur. Donc là, c'est rude. Attention, Adi, fait un...
Attention. Je te défie. Oh, mais la racaille, toi. Oh, la racaille. Ah, c'est bien. Voilà, ça, c'est bien. Il prend un perso. Comme ça. J'ai envie de monter sur scène et finir l'impro. Dance. Non, fais pas. Voilà, ça c'est bon, ça, ça c'est Adila. Votez. Le public vote pour élire le vainqueur. Pour qui? Bordeaux. Ah merde! Ah merde! Bordeaux n'était pas à une voix près. L'équipe d'Adi remporte la dernière manche. Nous allons donc appeler Monsieur le Président de la République, François Hollande. Il a tenu sa promesse. Le président de la République est venu remettre le trophée au gagnant. Mais avant, il a une annonce à faire. J'ai voulu que le quinquennat, le mien, puisse être tourné autour de la jeunesse. Les ministres qui sont là sont en charge de l'éducation artistique. Et je vais leur demander de poursuivre cette priorité pour l'éducation artistique. Et également de faire que l'option théâtre puisse être encouragée dès le collège pour que vous puissiez aller dans cette direction. Alors, je vais remettre le trophée. Le vainqueur du 4e trophée d'impro culture et diversité est l'équipe de Bordeaux. Là, vous vous rendez pas compte, mais vous êtes vraiment à l'origine de quelque chose. J'espère que tous les gamins de France vont pouvoir faire de la progression comme vous en faites. Moi, je vois j'ai déjà vu des futurs acteurs, des futures actrices, j'ai déjà vu des vraies personnalités. Il y a l'artiste qui était là, mais il y a aussi le producteur. Tout le monde ne sera pas acteur ou actrice, c'est sûr. Mais tous les gamins que j'ai vus ici, il n'y en a aucun qui se fera marcher.